Bonjour, bonjour, bienvenue sur Bâti Journal TV pour notre série d'interviews des acteurs de la filière bois française et avec moi Michel Drouil, président de France Bois Forêt. Monsieur Drouil, je vais vous poser qu'une seule question. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette crise sanitaire que nous venons de vivre? Les enseignements que nous avons tirés, c'est que pendant la crise, les événements continuent et que nous devons continuer à travailler, ce que nous avons fait pendant cette crise pour préparer l'avenir. Et rien que pour citer quelques exemples, nous avons eu la sortie et nous avons travaillé sur le rapport de la Cour des comptes. Et ce rapport indique donc que la forêt est un atout, le bois est un atout pour la France. Et je retiendrai une simple mesure, c'est le plan de reboisement de 100 millions d'euros par an. Mais malheureusement, la crise sanitaire a continué pendant la crise. Elle n'a pas connu de crise, elle. Il n'y a pas eu de confinement. Et donc, nous avons travaillé et nous avons fini de mettre la main à la feuille de route d'adaptation des forêts au changement climatique pour nous rendre compte que si la situation est un peu compliquée, on a quand même des solutions et nous savons aujourd'hui adapter les forêts françaises. Nous avons de la connaissance, nous avons du savoir-faire et donc il faut maintenant se mettre au travail. Et également, je dirais que nous devons absolument continuer le dialogue avec toutes les parties qui interviennent en forêt. L'ensemble de la forêt, de la filière a élaboré également le plan de relance du gouvernement, a participé et cela a été présenté entre autres devant 17 parlementaires dans un club bois et forêt. Et ce plan de relance, eh bien, il a comme vocation de relancer l'industrie, de relocaliser l'activité en France. Et le bois est incontestablement un des outils majeurs pour la France de réussir ce challenge. On a continué à défendre le bois pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est pas gagné, mais nous avançons. Et nous avons aussi continué à devoir défendre le bois pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et en particulier le chêne massif, bien sûr. Nous avons continué à travailler sur les projets de communication et je vous annonce donc la programmation de nos programmes Laisse entrer la nature à partir du mois de décembre prochain pendant au moins 3 mois. Et donc là aussi, nous donnons une nouvelle touche à notre communication. Et nous avons continuer aussi les travaux de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Nous avons reçu maintenant pas mal de dossiers. Certes, nous avons décalé le calendrier, mais d'ici la fin de l'année, les premiers dossiers seront examinés. Et nous préparons de nombreuses activités comme le plan national du bois construction, la Paris Design Week, la journée, le festival de la forêt et du bois. Et nous pouvons dire incontestablement que le bois reste à l'ordre du jour, surtout dans cette période-là. Et comme je le dis toujours, pour moi, c'est le bois. Alors pour vous, c'est le bois, et je vois que vous n'avez pas chômé, ça a travaillé dur pendant le confinement et le déconfinement. Je vous remercie, Monsieur Drouil, et puis bientôt nous verrons ces beaux immeubles en bois du village olympique sortir de terre. Merci, Et merci à vous ailleurs. d'être venu sur Bâti Journal. Une émission donc Merci. à retrouver sur Bâti Journal et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.